Bonjour mes petits camarades, nous sommes le vendredi 1er juillet 2022 et je suis parti sur un point de vue de parapente. Je vous dirai après où je suis. Qui dit parapente, dit qu'il faut monter. Hein. Et petits oiseaux, ils me disent bonjour. Alors l'accès à ce parapente là, c'est le rêve de l'ami Jean-Noël. Alors la denrée, là tu es sur un petit plat pour reprendre ton souffle et regonfler tes roues. Mais c'est une illusion. Une illusion pourquoi? Parce que c'est une illusion d'un plat d'une centaine de mètres. Et là, ça regrimpe, copain. Regarde les belles myrtilles. Tu les vois? Avec la rosée du matin, ça fait un petit amuse-bouche intéressant. Et on repart parce qu'on va pas faire que ça de bouffer des myrtilles. Hein. Il y a un chemin à faire et puis c'est tout. Et là, c'est encore un petit plat, donc c'est pour que tu crois que t'es arrivé. Mais c'est juste pour te casser les jambes et puis c'est tout. Devine ce que ça fait. Ça tourne, ça vire, ça regrimpe. C'est la foire du trône. Et là, c'est encore un plat. Alors avant c'était pour te casser les pattes, maintenant c'est pour te casser le moral. Alors si tu te rappelles pas de ce signe-là, moi je te le rappelle, ça veut dire que tu vas arriver sur un site remarquable ou un point de vue remarquable. Alors là, on prend un tout petit sentier et puis tu vois là-bas au bout, il y a une éclaircie. Et à mon avis, tu dois pas être loin. Mais tu vois, ça fait un peu de marche. Mais toi, t'aimes bien. Hein. Les canards, ça aime marcher. Hein. Et regarde sur quoi on tombe. Regarde-moi ça. Tu vas le découvrir. Moi, j'ai déjà vu avec mes yeux. Je sais pas si la caméra le voit déjà. Et ben, mon petit camarade, tu arrives sur le site du parapente de Fumet Hebe. Bon, évidemment, à l'heure qu'il est, t'as personne. Hein. Tu vois ma belle église là-bas, j'habite dans cette rue-là, moi. Là, t'as le pont, puis t'as la boucle de Meuse là, qui fait Fumet en direction de Hebe, JV et compagnie. Là. Juste en face de moi, t'as une route qui remonte là. Elle s'en va sur Rocroix, celle-ci. Donc, très très beau site. Ça vaut la peine. Bon, tu vois, c'est pas un grand beau temps, mais c'est chouette quand même. Et puis là-bas, si tu viens tout seul ici, t'as des bancs hein, pour casser la croûte. Hein. Voilà, bienvenue à tous. Donc géré par le club de parapente Pointe des Ardennes Parapente. Bon ben voilà, je quitte le parapente et je prends un petit chemin pour continuer ma rando. Parce que moi, ça me suffit pour avoir les copains. Hein. Écoutez les petits oiseaux. C'est quand même très très beau les Ardennes. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme dirait mon Jean-Noël, vous perdez mais restez chez vous. Hein. Venez pas nous polluer notre air et nous bousiller notre belle nature en foutant vos déchets partout. Seuls les gens qui aiment vraiment la nature la respectent. Les déchets, ça se ramène. Et puis c'est tout. Bon là sur l'arbre, ils disent qu'il faut pas aller par là-bas, justement, je vais y aller. On fout, moi. Rien à foutre des interdictions. Moi. Enfin, c'est pour une interdiction. Ça veut dire que le chemin n'est pas par là, mais moi, j'aime pas les chemins qui sont toujours balisés. J'aime bien découvrir des trucs. Il est beau comme tout, ce petit chemin. Eh ben, on est parti pour découvrir ça. Bon, visiblement, il y a une limace qui est en train de me doubler, là. Oh, regarde-moi ça. Ah ouais, c'est beau, punaise.
chaise. Ça, c'est un beau point de vue. Oui, il y a des... Alors, ça s'appelle comment? Parce qu'ils ont mis une pancarte, hein. Le méandre de fumée. Regarde-moi ça, mon Jean-Noël. On va faire le tour de la barrière ensemble. Regarde-moi ça. Ouais, on voit mon église là-bas. Et moi, tout à l'heure, j'étais à droite et tu ne voyais pas cette boucle-là de Meuse, là. Regarde-là. Ici, tu la vois, là? Là? Parce que le point de parapente, il est là-bas. Hein. Donc, on ne pouvait pas voir la Meuse à moins de s'élancer. Et là, tu vois, je vais d'ailleurs arrêter la caméra pour prendre une photo tellement c'est beau. Hein. C'est chouette, hein? Vraiment chouette, chouette, chouette. Regardez-moi ça. Oh, 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 oh. Formidable, formidable, formidable. Tu vois, là-bas, on voit le barrage de Luf, où travaillait mon beau-père. Regarde-moi ça, comme c'est joli, joli. Eh bien, les petits copains, si j'avais pas pris ce chemin qui n'était pas conseillé, je ne serais pas tombé sur ce beau point de vue des méandres de la Meuse. Voilà. Si je l'aurais eu, comme on dit, dans le cul, la balayette et la bobinette Chera, et puis c'est tout.